Salut les gens, c'est Little Econ Friend, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après une longue pause sur nos aventures de Yuppie Psycho. Désolé, j'ai pris quelques petites vacances, j'ai eu quelques petits problèmes avec mon PC qui a failli cramer, ma carte son qui a rendu l'âme, mais ça y est, je suis bon, je suis de retour, j'ai un peu de temps. J'espère que vous allez bien. Que vous croyez pas trop de chaud là où vous êtes. Parce que de mon côté, c'est le sud et ça fait qu'il fait extrêmement chaud. J'ai fermé la fenêtre. Comme ça, vous entendez pas trop les bruits des cigales. Donc voilà. Oh mon dieu. Oui, je me rappelle ce qui va se passer. Donc voilà. On va finir Yuppie Psycho, on va finir Digital Devil Saga, et il y a 2-3 jeux que je vais commencer aussi, j'espère que vous avez kiffé. Voilà les gens, je t'ai trouvé chasseur. Les amis, qu'est-ce qui se passe? Ok, donc ça c'est... Chapman? Tu vas bien? Mon costume! Oh, regarde ce qu'ils ont fait à mon costume, pépère! C'est moi Tony! Ok... Je viens. Ah, c'est bon, j'ai du gâteau. Monsieur, vous avez un petit problème à prendre ça. J'ai combien de batteries, moi? J'ai 4 batteries. Je pense que ça ira. Oh. Ok. Je suis là, devant vous. Je suis Jenna. Adorez-moi. Oh. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Ce gâteau est délicieux, tu ne trouves pas, Irina? Ok. Toi, tu vas bien? Doshi, est-ce que tu vas bien? Inai. Inai? Non. Non, non. C'est Inai, Doshi. Mes oreilles sont sur le point d'exploser, mec. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que la sorcière est là. On doit trouver un moyen de s'échapper. T'as essayé l'ascenseur au moins? Non. Ça se voit pas, bien sûr. Ça a été pété. Mais ça, Oui, j'ai déjà fait une offrande. Ici. Oh, putain. Oh. Pas. Oh. 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 Okay. Oh. Oh. Ouf. Pas. Je veux juste te parler. Sans ça. N'aie pas peur, Martha. N'aie pas peur. C'est un chasseur, on est en sécurité maintenant. Non, sans ça. Je ne peux pas tuer cette chose. On doit sortir d'ici. Sous ça, tu m'entends? Tu peux m'entendre au moins? Il va le tuer. Il va la tuer. Il va la tuer. Ah, mais j'ai rien. Qu'est-ce qui va passer? Je vois pas que cet ascenseur. Ouvrez, ouvrez, dépêchez-vous! Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Elle contrôle tout. Allez, ça c'est mon nom. Faire ça. Ok, on a perdu Chapman. Il y a des trucs à l'écran qui s'affichent. Oh. Ok, elle est juste là. Ok. Inventaire. Qu'est-ce que j'ai dans mon inventaire qui pourrait aider? Je pense pas que le couteau en plastique se tape. Ok, juste là. Mais il y a des trucs qui sont là. Ah mon dieu. Qu'est-ce que je suis censé faire? Non. Qu'est-ce que je suis censé faire? Là, les trucs pour me soigner, ça je peux pas utiliser ça de toute façon. Comment faire là? Je suis vraiment perdu, les gens. Moi, je suis mort. Oui, j'ai été viré. J'ai des clochettes. Comment ça se fait que Chapman ait disparu? Ça, je comprends pas en fait.
peu. Ok, ça c'est bien. Ah oui, c'est des cadeaux. Donc ça marche pas. Je crois qu'elle arrive au bout d'un moment. Non. Ça s'ouvre pas. J'aimerais bien utiliser. Enfin, j'ai juste le couteau nul, quoi, mais. Ah ok. Mes mains tremblent, mon pote. Je sais pas si je peux. C'est la seule porte de sortie. Ok, mais va falloir que tu m'aides. Bien sûr, dis-moi quoi faire. Rendez-vous à l'ascenseur devant l'ascenseur. Ok. Ok. Donc là, la sorcière va apparaître. Ok, elle est apparue. Ok, elle est là. Donc moi, je vais essayer de hacker l'ascenseur. Je sais pas, tu vas devoir m'aider. Tu vois rien, je vois dans mes mains, quand même. Ok. Ok. Ok, j'ai 3 piles. Ok. Désolé, je peux pas les doublages. J'ai peur pour ma vie. Ok. On va laisser la... On va utiliser la lanterne, c'est obligé. Je peux pas. Ta mère. Chier. Je peux. Non. J'ai de quoi me soigner. Je vais bientôt crever. Allez. Elle est juste. Elle est juste là. Faut que je. Et... ta mère. Ah ouais, ça a l'air invisible. Faut bien utiliser tous ces trucs de soin, hein. Ça vient à quelque chose. Ouf. Je sais pas vu ce qu'il m'a tapé. Ok, elle est en bas. Ok. Oh mon dieu. Ok. Ok. Ouh, c'est chaud les gens. C'est chaud. Ok. Ok. Prends la bouffe. La bouffe. En fait, je sais pas si les sticks, on peut les poser. Genre. Si ça va la faire apparaître, en fait. Ça, le truc. C'est ça que je me demande. Ok. Alors, tout le monde. Ok. La bouffe là. Ok, elle est déjà là. Ah, elles sont parties. Ok. Ok. Oui, c'est plus lente que moi. Ok. Ouais, non, il n'y a que la lumière blanche qui l'a fait apparaître. Ah ouais, ok. 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 Ok, elle est là. Ok. Ok. Ok, ok, ok. Putain, cette porte est de merde. Allez, allez. Ok, 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 ok.
Ok. Je vais leur faire des tours en fait. Ok, je vais me prendre juste une barre de chocolat au cas où. Ok. Ok, ok, ok. Ok, elle arrive. Ok. Ok. Ok, ok. Ok, elle est où? Elle est là. Ok. Allez, viens par là. Ok. Ok. Elle est où? Le chien est passé où? Ok. Fais chier, saloperie. Ah, ta mère. Ah. J'ai combien de crédits? Je vais me prendre une autre barre chocolatée, si je peux. Je sais pas. Faut que je l'aide. Ok. Ok, ok. Ok, faut pas que je la regarde, je crois. J'essaie de comprendre. Oh, ok. 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 Ça a l'air. Allez. Allez. Allez, Doshi. Je me soigne. Un sandwich. Lâche-moi une pile. 6. Ok. Donc j'en ai cramé une. Fais chier. J'arrive. Ah, ta mère, elle est là. Ouf. Ok. Ok. Il est là. Ok. Ok. Ok, viens par là. Viens par là. Elle doit être au milieu. Ok. 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 Vas-y. On y est presque. Allez. Yes. C'est tout ce que je peux faire pour toi, mec. Les portes ne s'ouvriront pas plus. Je pense que je peux me glisser dedans. Allez, viens. Vas-y, sale mon gars, si j'achète les câbles, les portes vont s'enfermer. Mais, et tous les autres? On doit tous s'enfuir? Prends ça. Essaye de doucher, ok. Si je m'en sors pas, brûle tout, détruis-la. Détruire quoi? On n'a pas le temps. Ma tête. Ah! Allez, faufile-toi. Oh. Ok. Oh. Ok, faut que je me soigne aussi. On va prendre des nouilles. Des bonnes nouilles chaudes. Bien. Ok. Ok. Allez, ouvre la porte. Ah, merde. Ok. Ça va? Putain, mon anneau. Oh non. Attrape mon bras. Attrape cette corde et ferme les yeux. Faut que je fasse une autre voix. Ouh.
qui arrêtait de bruit. Salut, je peux ouvrir les yeux maintenant? Je n'ai plus de force. Ah ouais? Ah! Calme-toi, Brian. Tu peux le faire. Tout ce que tu vas faire, c'est de... C'est quoi ce truc qui grimpe vers moi? Je dois partir d'ici le plus vite possible. Allez, grimpe. Oulala, je sais pas, oh, ok. Ok, je viens de voir. Là, ma pièce. Ok. C'est fermé. Je peux ouvrir avec mes mains. Là, tu utilises ça. Allez. Oh, salut. Suivez-moi, monsieur. Pasternak, votre évaluation est en train de commencer. Pardon? Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Elle nous poursuit. Attendez, vous allez bien trop vite. Oh. 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 Bonjour. Ah, génial. Génial. J'adore les labyrinthes. Donc, on est toujours à 6 batteries, on est largement bon. Ok. Tac. Ok. C'est merde. Tac, tac, ici. Donc là, ça me... Ok, deux verres de vin. Je prends. Ok. Ouh. Oh. Elle est là, la sorcière. C'est... Calmez-vous, monsieur Pasternak. Vous êtes en sécurité. Ce bureau n'appartient pas à l'entreprise. Nous sommes dans un autre bâtiment. Veuillez excuser mes manières. Je ne me suis pas présenté. Je me nomme Marshall. C'est un plaisir de vous rencontrer en personne. Je suis pas... pas... Nous connaissons votre nom, monsieur Pasternak. Nous vous surveillons depuis que vous êtes arrivé ce matin. Vous nous en souvenez probablement pas, mais je vous ai personnellement donné votre première feuille ensorcelée dans l'ascenseur, après que vous ayez signé votre contrat. Ah. Mais qui êtes-vous? Quel est cet endroit? Permettez-moi de vous présenter mes camarades. Nous faisons tous partie de l'URSS. URSS! L'Union des Révolutionnaires Syndiqués de Sinitra Corp. Vous êtes un syndicat? C'est exact. Nos organisations des réunions, nous sommes là pour défendre vos droits. Contre l'oppression hiérarchique de cette méga-corporation insensible. Merci. Nous savons parfaitement quel enfer vous avez traversé, et que beaucoup d'autres ont, comme vous, à subir ceci tous les jours, monsieur Pasternak. C'est pourquoi nous voulons que vous nous partagiez votre lourd fardeau avec nous. Et grâce à ces réunions, nous pourrons réussir à réunir assez de force pour la tâche qui nous attend. Ah, il était temps que quelqu'un m'aide. Après cette présentation, et si vous vous sentez apte, nous allons commencer l'évaluation des performances de votre premier jour de travail dans cette entreprise. Oh, ok. Si ça ne vous gêne pas, je vais rester accroupi, mon estomac est tout retourné. Dites-moi, monsieur Pasternak, de 1 à 5. Juste un moment, les gens. Ah, j'ai tellement soif. Je sais pas si vous l'entendez, ASMR. ASMR canette. Mon dieu, c'était éprouvant. Moi, j'ai adoré ce passage. C'était génial. Ah, putain. 2-1-5. Comment évaluez-vous l'accessibilité au service de sécurité du travail? Je vois. De 1 à 5. Que pensez-vous de l'équipement de la cafétéria? 4. Intéressant. La prochaine question est cruciale. Quel niveau donneriez-vous à l'entretien et la propreté des toilettes dans votre lieu de travail? Mais de quoi vous parlez? Vous allez m'aider ou pas? Bon sang. Je m'excuse sincèrement, monsieur Pasternak.
Nous savons bien que ce formulaire doit être retravaillé le plus vite possible. Mais qu'est-ce que c'est ce formulaire? Toute l'entreprise a un bordel, son nom est dit. Des gens, ils meurent. Vous pouvez pas m'aider à tuer la sorcière. Nous espérons pouvoir vous fournir plus d'aide à partir de demain, grâce à la nomination du nouveau PDG. PDG? Vous voulez le directeur? En effet, sans directeur, nous ne pouvons ni négocier, ni nous opposer à personne. Mais si tout se déroule selon le plan, Sintracorp pourra de nouveau un PDG disséminé. Et qui est-ce? Votre collègue, Monsieur Hugo. Oh putain. Pardon? Mais comment c'est possible? Qui est-ce de cela? C'est un système autonome, décrit dans la charte de l'entreprise. D'après la charte, le PDG sera remplacé si une absence non justifiée de plus de 12 mois venait à se passer. Son successeur sera l'employé, avec le plus d'ancienneté. Depuis plus de 10 ans, le système ne fait que passer d'un employé disparu à un autre. Aujourd'hui, c'est au tour du suivant sur la liste. Il note que Monsieur Hugo. Oh mon dieu, nous devons éviter cela à tout prix. Vous ne pourrez rien y faire? Je suis désolé. Vous êtes en train de me dire qu'il n'y a personne de plus ancien qu'Hugo? Et le blond du 9e étage, il n'y a pas un rang plus élevé de cette, dans cette entreprise? Les rares personnes restées en vie étaient à la fête d'anniversaire de Hugo. Et concernant Monsieur Spanner, il ne fait pas partie de l'équipe. C'est un consultant externe. S'il vous plaît, il doit y avoir quelqu'un d'autre. Pour tout vous dire, il y a une exception à la règle, mais c'est impossible à réaliser. La charte a été rédigée au lancement de l'entreprise. Il y a un paragraphe spécial concernant les droits de la famille Sintra. Il est dit que si un membre de famille mentionné plus haut venait à apparaître, il pourrait réclamer le poste et se l'approprier immédiatement. Mais c'est impossible, car ils sont tous décédés. Ray Sintra? Qui? Je dois sortir d'ici. Je retourne à mon bureau. Mais Monsieur Pasternak, la journée de travail est finie. Je dois y retourner. Ouh. Putain, c'était bien vert, hein. Ouf. Que d'émotion, les gens. Cette cinématique lui dit bien. Ma tête me fait si mal. Je suis à mon bureau, non? Je pense que tout ça n'était qu'un mauvais rêve. Je vais travailler un peu et... Un navet? C'est une autre blague d'Hugo? Il m'a même laissé ce couteau en plastique. Brian. Non. Quel est le problème, Brian? Sintra, aide-moi. Pourquoi n'utilisez pas l'attaque? Ma tête. Je suis de retour à mon bureau. Ok. Oui, je sauvegarde les gens. J'espère que vous avez apprécié cet épisode 12 de Yuppie Psycho. Mon dieu. J'adore ce jeu. J'espère que vous l'adorez autant que moi. Et j'attends avec impatience de voir tout ce qui va se passer. Donc les gens, je vous dis à la prochaine. Ciao et surtout, je viens. Bye-bye.